Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue dans Outrider. Au programme, on va commencer tout de suite sur quelques astuces pour améliorer son stuff à partir du moment où on a terminé la quête principale. Ensuite, on se fera quelques quêtes annexes et notamment l'héritage des Outrider qui est une quête. Alors, elle est un petit peu longue, mais elle permet de débloquer l'un des trophées du jeu. Tout de suite, on regarde ça. Alors, on va commencer par les expéditions. Qui est la grande nouveauté une fois qu'on a terminé le jeu. On en voit ici d'ailleurs, certaines pourront être accessibles qu'en ayant un certain niveau de difficulté élevé, donc il faut faire les petites, celles-ci, et vous voyez que vous avez du loot qui est plus ou moins favorable. Donc plus vous irez vite et plus vous augmenterez votre difficulté, plus vous aurez une grande quantité d'objets violés, la partie épique. Alors, c'est pas forcément intéressant de taper des niveaux très difficiles parce que vous allez voir, c'est très très long et c'est tout de suite très compliqué. Moi par exemple, si j'ai besoin de casser des équipements violés, d'en récupérer les équipements pour accroître les capacités de mes flingues existants, et ben, je vais par exemple faire du défi 1 ou 2 et je vais aller très vite et mon objectif ça va être d'être sous la barre du temps minimal. Par exemple là ici on voit 14 minutes. À partir du moment où je vais récupérer, farmer une grande quantité d'armes violettes, en les démontant je vais pouvoir récupérer des choses et tout de suite je vais vous montrer où les utiliser. Ensuite on va aller chez notre ami. Alors c'est quelque chose que j'ai pas forcément montré parce que c'est vrai que je peux pas parler sur Xbox, donc là j'en profite. Chez le marchand, vous avez une partie amélioration. On va commencer par les augmentations des attributs. Ici vous pouvez les trois compétences particulières de vos armes les augmenter. Par contre il vous faut des fragments. Alors pour savoir combien vous avez de fragments, vous allez dans votre inventaire et ici s'affiche par catégorie le nombre que vous en avez. Alors bien sûr, si vous mettez vos attributs au maximal, vous tirez le maximum parti de votre arme existante et par défaut, elles sont pas forcément remplies. Donc ça, c'est pour la partie augmentation des attributs. Ensuite, modification des équipements. Ça va vous permettre de modifier les spécificités de vos armes. Moi, par exemple, j'adore glacer mes adversaires. Ça me permet de les maîtriser, de les maintenir à distance. Alors par contre, on a des attributs qui, pour l'instant, ne sont pas débloqués. J'ai pas encore vu comment les changer. Ça, c'est quelque chose qui est assez sympa. Vous pouvez changer vos modes de tir. Alors vous allez voir, ça influe sur vos dégâts et la cadence de tir. Ça, c'est assez sympa. Alors, moyennant des matériaux, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Mais par contre, il faut payer à chaque fois. Et ça, c'est ce qui est le plus utilisé, c'est comment augmenter, level up votre arme. Vous avez une arme que vous voulez utiliser fréquemment, et ben vous utilisez ça. Par contre, il vous faut des matériaux. C'est pour ça que je vous ai expliqué comment farmer des matériaux violets. Allez, on est parti pour de nouvelles quêtes, direction Riftarn. C'est l'ancienne piole de Jacob. C'est chez Jacob. On dirait qu'il a laissé quelque chose. Vodka, évidemment. Et une note en polonais. Je devrais aller voir comment il se sent sur la colline. C'est quoi? C'était à Jacob. L'étiquette dit quoi? C'est du polonais. Tu peux le lire? À qui trouvera cette bouteille? Je comprends que quelques mots. C'est... vodka, boisson... tombe? Enfin, je pense qu'on est au bon endroit. To je zdrowie.
Twoje zdrowie. Bien. Il nous aurait jamais pardonné de boire sans lui. Hey, Jacob. T'en as pas marre de cette colline? Remarque, c'est calme. Ça va être intéressant. Autant mettre mes talents à contribution. Les tranchées!
Ouais, et alors? Attention, ne me débute pas, les pieds dans le groupe. Ujio sait que quand tu ne dis pas du mal d'Ujio, tu rends service aux autres. Tu es quelqu'un de complexe. Ujio aime ça. Les gens d'ici semblent t'éviter. Ah, que puis-je dire? Ils passent tout leur temps à s'entretuer. Mais dès qu'Ujio en fait un commerce, ils se sentent offensés. C'est quoi exactement ton business? Les services de mercenaires. Je mets des contrats sur la tête des adversaires que personne d'autre ne semble pouvoir abattre. Sniper, capitaine, les vrais salauds. Tu sembles du genre à pouvoir éliminer une cible coriace. Ça te dirait peut-être de te faire un peu d'argent de poche? Cible neutralisée. C'est toujours un plaisir. Tu bois un verre avec Ujio? Je crois que nous devons parler affaires. Ces obus qui tombent du ciel, ça a l'air plutôt commun par ici. Le lance-missile est assez peu précis, mais quand il frappe toujours quelque chose. C'est pour ça que ces missiles sont nommés damnation. Les insurgés ont dû envoyer un commando suicide dans la zone des décombres pour être si près de nous. Commando suicide? C'est un nid à radiation. Il n'y a pas beaucoup de volontaires, mais la récompense en vaut la peine. Ça semble fou, mais ça me plaît bien. Patron, je meurs de soif. Personne n'est assez con. Les bêtes arrivent. Les traînées de ces fusées viennent sûrement des missiles dont parlait Ujio. Je vais les suivre jusqu'à leur source.
Quel raffut. Le lanceur doit être tout près. Je dois le détruire. De rien, Trenchtown. Toujours un plaisir. Au moins, Ogio m'a promis une récompense. Attention, n'amenez pas les pieds dans le bout. Ogio était sérieux. Cette batterie d'artillerie doit être détruite. Pas de temps à perdre. Tu bois un verre avec Ogio ? Je me suis chargé des missiles d'Anation. T'es allé dans la zone ? Et t'es de retour en vie ? On dirait bien. Impressionnant. Où les rations sont... Tout le monde se fiche pas mal des problèmes d'une vieille femme. Qui va là ? Pablo, c'est toi ? Non, je ne suis pas Pablo. Pardon, trésor, je suis Atta. Oh, décidément, le monde est dur et cruel. J'ai eu des visiteurs récemment qui m'ont laissé totalement sur la paille. Tu as froid ?
Je peux t'offrir quelque chose? Non, j'étais c'est juste... absurde. J'ai de la soupe bien chaude. Tu en veux un bol? Ces visiteurs, ils t'ont fait du tort? Un jeune couple qui fuyait la guerre. La jeune fille était enceinte. Que pouvais-je faire? Les laisser mourir de froid? Je les ai cachés des autorités. J'ai pris des risques. Et comme on dit toujours, ma bonté me perdra sûrement un jour. Ils m'ont volé. Ils ont pris ma bague, mon pendentif, mes derniers vestiges de la terre. Des cadeaux de feu, mon mari. Je ne leur veux pas de mal, je veux juste ce qu'ils m'ont volé. Et je donnerai tout ce que j'ai en échange. Pourquoi pas? Je n'ai rien de mieux à faire. De nos jours, c'est un bon... J'aime pas.
dirait le type que je cherchais. Sa copine ne doit pas être bien loin. Ça va être intéressant. La fille a foncé dans la forêt. Thank you.
C'est Daisy, pauvre fille. La vieille leur a tout pris. On va discuter, elle et moi. As-tu réussi à les retrouver tous les deux? Oh, je me... Oh! Ravi de te revoir, trésor. Un peu plus de soupe. Arrête ton cinéma. Comment, trésor? Mes oreilles me font défaut. Je ne sais pas si ce sont les bombes ou mon grand âge, mais... Arrête tes conneries. Tu leur as tout pris.
et tu les as condamnés, comme si ça ne suffisait pas. Mais à quoi est-ce que tu t'attendais? Ce monde nous broie, nous prend tout. Je ne suis pas pire que les autres. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu as volé. Et tu ne manipuleras plus jamais les gens. Ou je te noie dans ta putain de soupe. Outrider, qui t'a fait ça? On dirait une lettre d'adieu. Zaidi, j'ai trouvé un Outrider. Il était pendu. Il a laissé une lettre d'adieu. Elle mentionne un repère d'Outriders. Il avait la clé, mais il l'a donnée à une fille nommée Lucy. Lucy de Trenchtown? Vous la connaissez? Eh bien, pas exactement. Je veux dire non. Pourquoi? Vous, oui? Je crois savoir où chercher. Il y a des notes ici. Pitié. Je veux pas d'ennui. Je ne te ferai aucun mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Un altéré. Pour moi, vous êtes tous les mêmes. Il a arraché la porte et emmené mon amie Monique. Putain d'altérés! Ils prennent ce qu'ils veulent! Je suis différente. Vraiment? Tu pourrais la retrouver? Je suis Lucy. Je te récompenserai. Ils sont partis vers où? Il a traîné Monique vers la zone des décombres. Je veux pas imaginer ce qu'il lui a fait. Tu es Lucy? Tu as entendu parler d'un type vivant dans un bunker avec un symbole d'Outrider? Outrider? Oui, je me souviens de lui. Il m'a donné un truc. Une clé avec un symbole d'Outrider. Tu sais quoi? Retrouve Monique pour moi, et tu l'auras. Tu disais que tu trouverais Monique! Je t'en prie, trouve-la! On dirait que je vais devoir aider cette femme si je veux récupérer la clé de l'Outrider. J'espère qu'ils viendront.
C'est l'inverse d'un paillasson de bienvenue. Que je te protège. Ah ouais. Je suis là pour tuer tous les enfoirés. Faire des courbettes, embrasser des pieds pour te remercier de me laisser être avec toi. Un peu de gratitude. Gratitude. Et toutes les fois où j'écarte les cuisses et j'ai rien. Tu vas arrêter de te plaindre. La vie avec un intérêt devrait être plus chouette. Te plaindre et encore te plaindre. Tu veux être sauvé? Hé, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Une autre putain d'altérée, sérieux? J'ai l'air d'avoir besoin d'aide. Je détruirai quiconque s'approchera. Oh, bien sûr. Dès que t'auras remonté ton pantalon, tombé sur tes putains de chevilles. Ouais, je le fais et je te tue. Tout ce que je fais, c'est nettoyer. Et c'est toujours... Donne-moi deux de plus. Je ne sais pas pour lequel des deux j'ai le plus de peine. Je devrais au moins retourner voir Lucie pour apaiser ses inquiétudes. J'ai trouvé ton amie. Elle n'est pas en danger, elle. Elle vit d'amour et d'eau fraîche. Vraiment? Non. Elle rend ce type fou. Ça ressemble bien à Monique. J'étais si inquiète. Si je peux t'offrir quoi que ce soit en échange? Ça va, merci. Mais à propos de cette clé... Oui, bien sûr. Cet ivrogne fou venait tout le temps ici nous parler de son amour éternel, avant de s'étouffer dans son vomi. Il avait l'habitude de parler d'un incroyable trésor enterré, en lien avec les anciens Outriders. Je sais pas par où commencer, mais... Tiens. Si tu trouves un vrai trésor, n'oublie pas cette bonne vieille Lucie, tu veux bien ? Si jamais tu trouves quelque chose, j'aurais bien besoin d'un petit trésor, moi aussi. Je devrais commencer à chercher dans la vieille carrière. J'aime pas rester là. Tout le monde croit que tu te tripotes. C'est pas bon. J'ai même pas... On a quoi ici?
assez là pour croire que... J'ai trouvé un genre de bunker caché, avec un insigne d'Outrider peint au sol. Je croyais que les Outriders étaient morts depuis longtemps. Certains ont dû finir ici, mais... pourquoi? Et où sont-ils maintenant? Je me souviens de celui qui a écrit ce journal, Sergio Acosta. Il est resté ici assez longtemps pour élever un enfant. Ils avaient un enfant avec eux dans ce bunker pendant toute sa vie. Son fils s'appelait Mercer. Il est parti un jour. Acosta est allé le chercher dans la forêt.
avez vu ma femme? Ils disent que le capsule... Peut-être qu'Acosta ou Mercer sont là. Je devrais me renseigner pour résoudre le mystère du bunker des Outriders. T'as eu le temps de regarder dans ces capsules? On a quoi ici? Qu'est-ce que je t'offre? J'aime bien ta veste. T'en fais partie. Je les croyais tous morts. Pas encore. À qui t'as volé ça? Cette vieillerie. Ça me vient de ma mère. Son père était Outrider. Oh merde. Qui c'était? Il s'appelait Jack Tanner. Ça te parle? Tanner était un homme bon. C'était mon capitaine. Je l'ai vu mourir, en essayant de nous poser sur ce maudit rocher. Ravi de vous rencontrer. Ouais, ben... il doit sûrement se retourner dans sa tombe, s'il m'observe. Alors, t'achètes, quoi? Ton père, Sergio Acosta, il lui est arrivé quoi? Tu le connais? Juste en passant. Eh ben... il a été assez malin pour survivre à la jungle. Mais trop bête pour y retourner. Et... c'est ma faute s'il a fait ça. Comment ça? Tu vois... mes parents étaient ultra possessifs. J'ai passé ma vie dans un stupide bunker. À faire le sacrifice ultime pour sauver l'humanité, selon eux. Mais tu sais quoi? Ils ont jamais été foutus de me dire ce qu'on protégeait. Un jour, j'en ai eu marre. Alors j'ai fui. Mais mon père a pas voulu lâcher. Il a essayé de me suivre, de me retrouver. De me sauver. Peine perdue. C'est bien un Outrider. Il y a quelque temps... un éclaireur est tombé sur les restes de son expédition dans la jungle. Mais... j'ai jamais pu retourner là-bas. Mais... si tu le retrouves... tu pourrais me ramener un de ces objets? Une photo de ma mère qu'il portait à Enchen. Je chercherai ton père. Hé! Hey, toi, la blousaille! Maintenant, je sais où trouver Sergio Acosta. Il a sûrement la clé du bunker sur lui. J'ai pas survécu à la guerre, à la maladie.
Hé, hey, Mercer, comment tu as survécu toute ta vie dans un trou dans le sol? Ah, tu parles d'une vie. J'ai grandi dans une cage. Quand j'ai trouvé comment ouvrir la porte, c'était magnifique. Mais je suis devenu un animal en cage qui planifiait son évasion. Hé, hey, tes parents t'ont gardé en lieu sûr. J'ai leur place contre la tienne. J'aurais préféré une vie plus courte, à sentir l'air frais sur mon visage.
l'expédition des Outriders. Du moins ce qu'il en reste. C'est fait. Le corps d'Acosta doit se trouver dans les ruines. Bien, j'ai la clé d'Acosta. Qu'est-ce que je t'offre ? Merci. Maintenant, elle peut reposer en paix. Quoi que tu cherches... Retour au bunker des Outriders dans la carrière.
Et Doc, je ne vous ai jamais vraiment remercié de m'avoir sorti de cryostase. Je ne pensais pas que vous ayez vu ça comme une faveur. Disons que je préfère être consciente, quelles que soient les circonstances. Ça peut se discuter. Cependant, vous semblez correspondre parfaitement à cette époque, Outrider. Qu'est-ce que vous faisiez exactement avec Jane quand vous m'avez trouvé ? On cherchait du matériel à récupérer dans les vieilles ruines. Je pensais avoir ratissé la moitié de la planète, mais je venais de trouver un vieux journal ayant appartenu à mon père. Il y décrivait le Flores flottant là-haut, comment l'atterrissage avait été retardé et le malaise autour de l'expédition des Outriders. Comment ça, malaise ? Les Outriders ont toujours eu pour mission de descendre les premiers. Oui, mais s'il s'avérait que la planète n'était pas vraiment habitable, comme c'est le cas, il n'y avait aucun plan pour vous ramener à bord du Flores. Vous étiez sur un aller simple. Ouais, c'est vrai qu'il n'avait rien dit à ce... C'est pas vraiment étonnant. Ça explique pourquoi Maxwell donnait le feu vert alors que c'était la merde. Bref, je n'en avais jamais entendu parler. Et j'avais soudainement réalisé que ce Maxwell, qui avait donné le feu vert, avait forcément un moyen de contacter le Flores. Une liaison. Il y avait forcément une liaison à bord de la première capsule, si je la trouvais. C'est chose faite. La fille de Jack Tanner, Sarah, on dirait qu'elle l'a remplacée pour commander les derniers Outriders. Elle fut l'une des rares à se révolter quand le CA a envoyé les Outriders en cour martiale. Elle a sauvé la vie de beaucoup d'Outriders, mais elle a ensuite disparu sans laisser de traces. Visiblement, elle a fini dans ce bunker. D'après ses dernières notes, elle est partie chercher son mari et son fils dans la forêt. Toute seule ? Elle n'espérait quand même pas survivre. On savait tous parfaitement qu'on ne survivrait pas ici. Si elle est morte, c'est pour accomplir la mission des Outriders. S'aventurer dans l'inconnu au-delà de la frontière. Finir sa mission debout, comme disaient les Outriders. On peut vraiment dire que vous veniez d'une autre époque. Thank you.
Sarah Tanner, you made us proud. Outrider till the end. Zaidi, j'ai trouvé Sarah Tanner. Elle est allée plus loin que les autres expéditions. C'est une goriasse comme son père. La dernière clé. Il est grand temps de retourner voir ce bunker. Dites, Doc, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut encore utiliser des radios alors que l'anomalie déforme le signal, nos sondes et tout ce qui a une longue portée ? C'est ça. Nous utilisons une radio à ondes courtes analogiques sur une bande haute fréquence, sans trop de puissance, pour communiquer sur de courtes distances. Un signal numérique comme celui que nous suivons porte beaucoup plus loin et n'est pas aussi sensible aux interférences. Si la distance est trop grande, l'anomalie le déformera quand même. Donc, tant que l'anomalie est là, on reste en analogique. L'équipement analogique. Quoi qu'ils aient voulu défendre, on touche au but. Zaidi, les Outriders stockaient des munitions dans ce bunker. Et pas qu'un peu. Quelle quantité, à peu près ? Suffisamment pour repousser l'apocalypse. Et prévoir la suite. Ça alors. Zaidi, c'est une bombe nucléaire. Une bombe thermonucléaire ? La fille de Tanner était prête à sacrifier pour garder cette trappe fermée. Je pense que vous feriez mieux de la refermer et de jeter les clés. Zaidi ? Il se passe quelque chose. Les machines, elles plantent. Vous devez sortir de là avant que tout explose. Alerte. Échec de sécurité. Lancement imminent. Alerte. Bon, ça pue. Je fais quoi ? Aucune idée. Je n'y connais rien, moi, en bombe nucléaire. Attendez, attendez. Y a-t-il un frigo dans le coin ? Un réfrigérateur ? Oui, un frigo. Vous savez ce qu'est un putain de frigo, oui, non ? Oui, ça va, j'ai trouvé. Dieu soit loué. Entrez dedans. Quoi ? Entrez dans le frigo. Le plomb vous protégera. C'est la pire idée que j'ai jamais entendue. J'ai vu ça quelque part. Même pas en rêve. Compte à rebours lancé. Oh, putain. Lancement dans P-120. Réfléchis. 119. Il y a un trou pour la clé. 118. 117. Écoutez-moi, vous devez perdre. 116. Vous n'êtes 115. Les insurgés ont porté la trappe. 113. 112. Super, 112. C'est la fête. Thank you.
5. Merde ! Bordel ! 3. 2. 1. Séquence de lancement annulée. Bonne journée. Ouais ! C'est fini ! Zaidi ! Vous savez où on pourrait cacher des clés ? Et ben voilà qui termine cette quête, l'héritage de l'Outrider. Ça vous débloque le trophée, un lourd tribut.